Opéré d'une fracture maxillo-zygomatique au lendemain de la victoire du 15 de France face à la Namibie 96-0, à l'occasion de la troisième journée de la phase de poule de la Coupe du Monde, Antoine Dupont a repris l'entraînement avec contact cette semaine à Rueil Malmaison. À 100% de ses capacités, à en croire les dires de William Servat, la star des Bleus pourrait faire son grand retour dans le tournoi pour le quart de finale contre l'Afrique du Sud, programmé dimanche soir 21h au Stade de France. En attendant de savoir si Fabien Galthié et son staff titulariseront le demi de mêlée du Stade toulousain, ce dernier a régalé mercredi à l'entraînement. Le natif de Lannemezan a tenté un coup de pied depuis dans un angle fermé, sous le regard de Damien Penaud et Gaël Ficou, qui ont tenté de le déstabiliser, en vain. T'inquiète pas pour moi. En effet, Antoine Dupont a passé son coup de pied entre les poteaux et n'a pas manqué, à son tour, de charrier ses deux détracteurs. T'inquiète pas pour moi, a-t-il ainsi lâché à Damien Penaud. En mettant sa main derrière l'oreille, comme le montre une vidéo publiée par le compte TikTok de France Rugby. De bon augure pour le choc face aux Springboks,